Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo découverte, donc c'est la 9e avec El Hijo. Le jeu a été édité par Indie Games et Honing Studio. Il est sorti donc en 2021, il y a plus ou moins un peu plus de 2 ans aujourd'hui. C'est un petit jeu d'infiltration dans lequel on va incarner donc un personnage qui s'appelle El Hijo, donc le fils. En français, c'est traduit de l'espagnol. Et du coup, donc c'est un jeu dans lequel donc on va incarner ce petit garçon qui va devoir donc infiltrer tout un petit jeu d'infiltration dans lequel on va devoir essayer de sauver notre mère qui aura été donc retenue prisonnière par une bande de méchants, de bandits et tout ça. Voilà, donc c'est une petite vidéo découverte. Petit jeu si vous ne connaissez pas. Ça a l'air pas trop mal. Petit jeu, voilà, de réflexion, infiltration, plateforme et compagnie. Ça peut être sympa. J'avais envie, voilà, de vous le faire découvrir. J'espère en tout cas que cela va vous plaire. Voilà. Alors, prologue. Alors, choix du niveau 0 sur 69. Prologue. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix, hein. Alors, on va aller retrouver notre maman. L2 pour courir. D'accord, il y a une barre vendue. C'est quoi l'intérêt, genre, de faire le tour? Ah, d'accord, ok, ça descend. Ok, j'ai pas compris. Je me disais, c'était quoi l'intérêt d'avoir fait, genre, un escalier, une porte devant? De quoi? D'accord, c'est pour révéler genre en gros leur champ de visibilité, ouais. Ah, pas bon. Elles sont jolies les images.
Oh, l'œil qui voit tout, les Illuminatis. Oh là, il n'a pas l'air très commode lui, hein? Allez, premier niveau, la tour. Ah merde! C'est un peu miro les mecs, non? Ouf. C'est joué un poil de fioron. Je vais faire quoi là? D'accord. Non, non, remonte, remonte, remonte. Faut que je descende, non? C'est pas clair là. Ça passe tellement vite le message. Ouvrir, je sais pas. Tu bouges pas, genre ça apparaît pas, ça passe tellement vite que tu vois même pas le truc, hein. Genre ouvrir, allez. Le dortoir. Bon, ça va, les niveaux ils sont pas très très longs, hein. Bah après, pour l'instant, c'est que le début, hein, mais. Oula, oh là là, oh là là. D'accord, ok. Ah ouais, lui d'accord, lui regardant les trucs directement quoi. Pourquoi il regarde dans celui-là, je comprends pas. Mais il regardait pas tout à l'heure, non? Il regarde que quand il revient, je crois. Merde, 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 merde. Ah ouais, d'accord, ok. Mais ça va, je suis descendu là, non?
Ben, faut se dépêcher, quoi. Quoi? Ouais, mais faut qu'il s'en aille, lui. C'est quoi? C'est une sorte de monastère, ça, de toute façon. Bon, la zone de merde. Bon, c'est chaud, c'est là-haut. Ah ouais, mais ils sont rapides les vieux, quoi. Tu te dépêchais, non? Mec, il est, il prend son temps, tu as vu, je regarde. Les bains. Ah, qu'est-ce qu'on a trouvé du coup? Jette des pierres pour distraire tes adversaires. Appuyez sur R2. Ah merde! Oh, c'est chaud là. Ah, ça va, tu peux lancer quand même assez loin. Tu peux lancer quand même assez loin. C'est pas. Ouf. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que le temps de réaction du personnage par rapport à l'instantané de l'action, il y a un petit truc, tu vois, genre quand tu veux t'accroupir ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas instantané. Et du coup, genre, c'est vrai que des fois, ça te fait un peu bugger, quoi. Et les ennemis te repèrent assez vite, quoi. Du coup. Ben non, je suis resté dans l'ombre, tu m'as pas vu du coup.
Ah, tu peux te cacher là-dedans. D'accord. Pas mal. Par contre, ouais, tu peux pas jeter de pierre là-dedans, quoi. Et l'autre là, qu'il faudrait qu'il change de position, ce serait pas mal. Là. Et merde. C'est pas là où je voulais lancer de base. C'est pas mal quand même comme jeu. C'est rigolo. C'est cool, ouais, petit jeu comme ça, genre d'infiltration, tu passes à droite, à gauche et tout, c'est pas trop prise de tête en plus, c'est pas très très compliqué. Tu meurs, tu refais pas tout, c'est pas trop casse-couille, non, franchement, c'est sympa comme jeu. Si vous connaissez pas, bah, allez-y, hein. Eh merde. Mais par contre, ouais, du coup, tu sais jamais trop vers où aller, tu vois, c'est le problème. Sauf si j'essaie de passer par là, peut-être. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est lui là-bas, le gros là, qui m'emmerde là. Sûr que je peux gruger là. Et là, je me suis jeté dessus. Mais je suis sûr qu'il y a peut-être moyen de gruger un peu, non? Si par exemple tu te mets là. Ça va être chiant cette zone, hein? Comment je pourrais faire pour le dégager lui? Mais j'ai envoyé derrière, tourne-toi, non? Wow.
Ouais, il bouge pas et tout en plus. Oh là 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 là. Non! Et non! Tiens, j'ai eu un truc, je me suis dit, bon, peut-être ça va passer inaperçu. Non, non, il se jetait dans les bras du méchant. Alors, il était, faut courir là. Bon, vache. Mec, il se bloque toujours seul. Parce qu'il aime bien se bloquer seul. Inspire un enfant de plus dans ce niveau. Ouais, bah ça va, on a compris, on a compris. Allez! Et ouais, mais t'es obligé là. Hormis si. Non, non, si je passe. Non, pas par là. C'est pas ça que je voulais faire. Non, on va passer là. Voilà, et lui on va le dégager comme ça là. Merde, 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 merde. Oh. T'as l'impression qu'il y a plein de chemins différents, non? Waouh! Mais tu peux pas passer là! Ouais, si tu descends là, là, vite fait, ouais, il faut descendre comme ça, ouais. Tu perds pas de temps, quoi. Ah, et tu remontes. Ok. Je me suis dit, il faut sauter où? J'utilise jamais sauter, c'est vrai. Oula. Et ouais, c'est ça le problème, parce que l'autre a mis 2 heures pour passer. Il m'a vu de où lui? Ah, il faut qu'il se calme aussi, non? C'est une vision d'aigle qu'il a, le mec. Ouais, c'est sympa en tout cas. On s'y prend, hein. On s'y prend bien. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va récupérer peut-être de nouveaux trucs pour lancer des trucs comme ça, non? Pardon. Quoi? Non, non. C'est bien les mécaniques.
Un nouvel enfant en hôte. Ah oui, là tu peux pas passer. Il y a pas mal de zones quand même, hein? Ah ouais, tu peux descendre par là, passer par l'échelle, passer par les escaliers. Ouais, tu veux essayer vraiment genre de finir le jeu à 100% en essayant de d'inspirer tous les enfants, tu peux y aller, hein. Là, depuis, il bouge pas. Il a toujours son point d'interrogation au-dessus de la tête. Il m'attend. Oh. Cours vite, cours vite. D'accord, ok, il faut déplacer tout d'ici, quoi. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Genre de prêtre bizarre là, de statue ignoble. On s'ouvre pas les portes fermées là. Ça sort pas grand-chose là, du coup, j'ai l'impression. Non, non. Et merde. C'est quoi l'intérêt de déplacer ça là? Je comprends pas.
Allez, dépêche-toi, pousse, pousse, pousse. Mais j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il fallait faire là? J'avais appuyé sur entrée. On va s'arrêter là du coup. Vidéo même, voilà, petite vidéo découverte donc sur un petit jeu d'infiltration qui est vraiment très agréable. Alors en termes de durée de vie, je pense pas qu'on est sur quelque chose de très très poussé. Voilà, je pense que de toute façon, c'est un jeu que vous allez peut-être finir, allez, on va dire peut-être en 3-4 heures. Je pense que voilà, la durée de vie, elle doit tourner autour de ça, 3 heures, 4 heures, en fonction de comment vous y prenez. Mais voilà, soit vous voulez vraiment essayer de pousser le jeu dans son intégralité, là, dans ces cas-là, vous essayez de chercher tous les coins, les recoins, les enfants, inspirer tout le monde. Il y a 69 enfants inspirés dans tout le jeu, on avait pu voir ça au moment du menu au tout début. Mais sinon, voilà, je pense que la durée de vie n'est pas non plus trop importante. Mais en tout cas, franchement, le jeu est vraiment cool, l'ambiance est sympa. C'est pas mal ce côté, ouais, c'est pas trop prise de tête. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as l'impression de ne pas avoir obligatoirement qu'un seul chemin pour pouvoir arriver à passer. C'est-à-dire que peut-être si tu n'arrives pas à passer par un chemin, ben, tu sais que tu peux peut-être passer par un autre chemin pour arriver à avancer dans le jeu. Et ça, c'est bien, tu vois, des fois, il y en a, tu sais pas pourquoi, ils bloquent sur une situation, un truc, un casse-tête, ils n'y arrivent pas, du coup ils bloquent. Ben là, l'avantage c'est que tu peux des fois ben, essayer de te dire ben, je vais passer par là, je vais passer par là, et finalement tu te rends compte que tous les chemins mènent à Rome et que tu as l'impression que quel que soit par où tu passes, eh ben, au bout d'un moment tu vas reprendre le fil, on va dire, de l'aventure et tu vas arriver à passer du coup au niveau d'après et au monde d'après. Donc là, on est au sanctuaire, on a fait quand même pas mal de trucs, hein. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo donc découverte vous aura plu. Sincèrement, si vous aimez bien ce genre de jeu, ben, je peux que vous le conseiller parce que franchement, ben, vous ne serez pas déçus. Vraiment, hein, moi au début, ça je l'ai trouvé, je l'ai téléchargé sur le PlayStation Store. Je me suis dit, bon, ça a l'air sympa, ça a l'air d'être un petit jeu comme ça, genre d'infiltration, un peu genre là. À la Little Nightmare ou à la, comment ça s'appelle, à la, oh là là, Inside, Limbo et tout, tu vois, avec des petits trucs un peu comme ça. Je me suis dit, oui, sympa, j'en ai fait quelques-uns, hein, j'y en a des vidéos que j'ai fait comme ça là, sur la chaîne. Je me suis dit, bah, t'as, ouais, pourquoi pas essayer de le faire en découverte. Ça me donnait pas nécessairement envie d'aller plus loin, on va dire, dans l'aventure. Ben, sincèrement, genre, je suis vraiment satisfait de ce que je vois et franchement, ben, je pense que je le ferai pour moi et je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour moi, juste pour le plaisir, parce que franchement, ben, j'aime bien quoi. Voilà, ben, j'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de le découvrir ou de le faire. Je vous dis du coup à la prochaine donc sur la chaîne pour d'autres let's play et également donc d'autres découvertes. Là, c'était la 9e. On s'arrête pas, on continue. Si j'ai d'autres petits jeux un peu comme ça à vous proposer, j'hésiterai pas donc à vous le faire savoir. J'espère ben, que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine donc sur la chaîne pour d'autres aventures. Ciao ciao!